Salut YouTube, c'est Dijo qui on se retrouve en ce lundi pour l'épisode 13. Ça a porté malheur de notre let's play sur Star Wars. Vendredi, on s'était arrêté. Ah oui, c'est vrai qu'on avait fini la deuxième partie de Narshadan. On avait commencé la troisième et on s'était arrêté devant ce magnifique vaisseau qui appartient à notre ami Lando Calrissian, que nous avons aidé à s'échapper d'une prison. Le problème, c'est que on peut pas s'échapper tout de suite. Les portes du hangar sont fermées. Il va falloir qu'on les ouvre. Et puis il y a un super rayon tracteur qui plaque le vaisseau au sol. Donc même si on ouvre les portes et qu'on essaye de décoller, on ne pourra pas parce que le rayon tracteur nous en empêchera. Donc on va essayer de régler tout ça. Épisode 13, ça va nous porter la poisse. Hein. Je le sens qu'il va nous porter la poisse. Kyle, j'ai coupé l'alimentation des amarres et le rayon tracteur leur réserve des surprises. Mais il y a encore des sécurités que je dois désactiver maintenant. Je te ferai signe quand j'y serai. Bonne chance. Magnifique. Ton ami là. Ah, et même avec la vitesse, je peux pas. Vous avez vu? Avec la vitesse, je me fais encore avoir quoi. C'est incroyable. Hein, même avec la vitesse, je me fais avoir. C'est hallucinant. Alors, c'est bien, nous sommes dans le noir. Par contre, je sais qu'il y a un endroit secret en fait dans ces couloirs. Il y a un endroit, mais je sais plus du tout où il est. Donc là, on retourne en avant. Enfin, on retourne au début, je veux dire. Là, c'est trop haut, je peux pas sauter. Donc là, je saute, c'est normal. Bah non, bah je sais pas. Je sais plus du tout où il est. À cache-cache avec tonton Dijoke. Moi je suis très joueur hein, tu sais. Et c'est chaud quoi.
Voilà. Bon, je voulais juste m'amuser un peu, je sais que pas bien jouer avec la miniature. Patati patata. Deux solutions, soit on court, soit on court. Ce canon est pointé sur moi. Tu peux faire quelque chose? Je vais voir ce que je peux faire. Ouais, et ben on va d'abord s'occuper de nous. Toi, c'est bon. Donc lui, il est mort. Voilà, on a réussi à faire ça sans prendre un coup. Par contre, maintenant, canon. Donc voilà, on a déjà un de détruit et un deuxième. Merci Kyle, ça va aller maintenant. Et à ton service. En plus, j'ai vu qu'il y avait Robert. Le lanceur de grenades, il nous embêtera pas. Si vous me permettez, je vais me faire une petite sauvegarde. Ah, puis il y a un autre Robert là-bas. Je sais pas si je l'ai eu. Il me semble pas. Je sais pas si je l'ai eu, soit il s'est planqué, soit je l'ai eu. Oula. Ah non. Je l'avais pas eu. Mais comment il a fait? Mais il a... je regarderai la vidéo quand je vais la monter. Mais c'est moi ou cet abruti a couru tout seul dans le vide. Ah, faudrait que je revoie la vidéo. Ah oui, c'est vrai que de dos, tu vas pas trop aimer. Ouais, j'aurais pas dû l'embêter, l'autre. J'aurais vraiment pas dû l'embêter. Bon, allez, c'est parti. Ça sent la caca. Il y a encore putain, ils étaient deux quoi, Pedro et Pablo quoi. Pedro et Pablo quoi. Bon, et bah, apparemment il y a lui là. Oh là mon dieu, oh là là. Putain, il y en a partout quoi, dans le dos. Les mecs ils m'ont tiré dans le dos. Ah, en plus c'est... Ah d'accord, c'est parce qu'il y a en plus y a rien ici. Alors il y a lui là qui me fait chier. Je
vous l'ai dit que cet épisode porterait malheur. J'ai pas une très bonne affinité avec le... avec le chiffre 13. Et Mehdi, faudrait que je le tue parce qu'en fait il va vraiment me porter... il va vraiment être problématique. Et je peux pas, il me vise trop bien quoi. Voilà. Là tu meurs déjà. Voilà, il doit nous en rester 3 hein, si je me trompe pas, il nous en reste 3. Magnifique. Heureusement que tu es un jeu parce que disons. Toi t'es quoi? C'est juste un palette. Oh mon dieu, non, il y en a un. Ah, mais je vois pas quoi. Je joue sur un écran tellement petit que je peux pas le voir. Ah, super magnifique. Bon, bah, il nous reste une Bacta. Ah, je joue sur un écran tellement petit que je le vois. Je l'ai pas vu. Ça devient très 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 tendu. Ok, d'accord. Non, attends, sur le côté quoi. Il vit dans un angle, c'est pas possible. C'est quoi cet angle de visée là? Bien joué, Kyle. Je crois qu'on a accès au hangar maintenant. Je prépare le vaisseau. On se retrouve à l'intérieur. Ah, et bien sûr, c'est fermé. Il y a moyen de sortir. Oui, il y a moyen de sortir. Ah bah oui, mais ça me fait pas aller en face, ça. T'as pas une autre porte sur le côté? Ouais. Super, en faisant le tour, on doit pouvoir passer... Oui, bonjour. Je viens vous anéantir. Non, parce que votre patron traficote avec un Jedi noir, alors du coup, voilà. Ah, je croyais qu'on avait accès au hangar. Trouver le vaisseau de Lando. Ah oui. Ah, j'ai ouvert les grandes portes. Point de sauvegarde. Ah, bah, salut mon pote, content de te revoir. Malheureusement, ils n'ont pas eu la gentillesse de faire le plein. Ah. Ça ne devrait prendre que quelques minutes. Ensuite, on décolle. Super. On a de la compagnie. Fonce dans le vaisseau. C'est parti! Bien joué, l'ami! Lando Calrissian est mort. Bah, il m'a dit d'aller dans le vaisseau. Il n'y avait rien dans le vaisseau. Salut mon pote, content de te revoir. Oui. Malheureusement, ils n'ont pas eu la gentillesse de faire le plein. Ça ne devrait prendre que quelques minutes. Okay, ensuite, d'accord. On décolle. On a de la compagnie. Fonce dans le vaisseau. Jouer l'ami.
Retiens-les pendant que j'essaie de démarrer. Bah oui. Bien joué, l'ami. D'accord, faut que je tue les ennemis. Bon bah. Oh là là, mon dieu, eux, ça va être un carnage. Oh là là, je sais comment, j'ai plus envie de bouger là. Kyle, on a un problème. C'est pas un scoop. Le carburant n'arrive pas. Ils ont dû fermer la vanne des réservoirs principaux. Vas-y, et essaye d'ouvrir la vanne. Ils utilisent un système de code. Tu dois trouver le bon. Après ça, tu devras trouver les commandes des volets du toit. Elles ne doivent pas être loin. Je m'occupe du reste ici. Bonne chance. Merci. J'aime beaucoup. Guy, on a un scoop. C'est pas un scoop. Il est mort. Un bon coup de sabre laser dans les jambes. Et ça fait du bien. Alors, ce qui ferait du bien aussi, c'est d'avoir un petit peu de bouclier. Voilà. Des munitions. Ah, ça, les munitions, c'est bon. On a pas mal. Alors, pour le carburant. Magnifique. Ah, faut que je regarde. Alors, je vais prendre un petit bout de papier et un stylo parce que avec ma mémoire à 2 francs 6 sous, ça va être compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a un rond barré. Et de l'autre côté, pour le rouge, je vais mettre R à côté. Voilà. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Oh magnifique, une espèce de X, mais qui est fait bizarrement. Ça c'est pour le bleu ou noir. Non, je marquais N pour noir. Allez, c'est parti. On va aller faire le plein. Ah quoique non, on fera le plein vendredi. Comme ça, en même temps, on partira de Narshada. On fera le plein de vendredi. Comme ça, cet épisode se passe entièrement sur Narshada. Et vendredi, on fait le plein. On part de Narshada. Enfin, je vous montrerai le prochain level. Qui va être des plus durs. Encore plus dur que celui-ci. Et puis, il y aura une surprise dans le prochain level. Il y aura une surprise de taille. Donc, eh bien, rendez-vous vendredi pour la suite de cette aventure sur Star Wars Jedi Knight de Jedi Outcast. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!